Donc chez Editis Éducation et Référence, on propose des contenus et des ressources à destination des enseignants et des élèves. Donc ce contenu, les enseignants viennent le chercher sur notre site. Il est gratuit. On le propose en contrepartie d'une inscription sur nos sites. Donc toutes les datas recueillies nous permettent d'alimenter notre base de données. Par ailleurs, les personnes viennent chercher donc ce contenu sur notre site, ce qui permet d'engendrer pas mal de cookies. Donc finalement, avec ce couple cookie-email, on a décidé de s'équiper d'une CDP pour que nous puissions regrouper ces données dans un seul et même réceptacle. Et donc, nous avons, grâce à cette CDP, on crée des segments d'audience personnalisés. Et donc, ça nous permet après d'activer ces segments d'audience pour retoucher des utilisateurs répondant à des scénarios précis via des leviers d'activation en fonction justement de notre connaissance client. Donc ça va être l'email personnalisé, la personnalisation de site ou encore des leviers comme les médias sociaux.